Vague d'angoisse, bras imbibés de sueur, coup d'œil sur la montre, minuit passé, 0h37 exactement, il ne dormira pas. Bon, c'est un petit peu peut-être choquant au fort de la librairie, je l'espère, c'est un temps, mais artistiquement ça m'a semblé très intéressant. C'est comme ça, fort, et c'est en cohérence, c'est important pour moi. À travers cette expérience-là, que je suis toujours au fond, quelque part, à l'émigrer. Et cette dimension est très forte pour moi, très puissante, et très philosophiquement, existentiellement riche et intéressante, paradoxalement, parce qu'en tout cas, les émigrés, on est souvent mal, tout le monde le sait, voilà, c'est ça. Difficile de changer de pays, d'être émigré quelque part et tout ça. Il y a tous ces problèmes politiques, voilà, pays envahi et tout ça. Mais existentiellement, ça peut être très, très riche, je pense. Et pour moi, c'était comme ça. Peut-être à travers cette expérience-là personnelle, oui, c'est vrai que je me sens plus proche de ce type de personnage, de ce type de réalité. Et je pense par ailleurs que c'est les choses qui transforment le monde, beaucoup de choses positives. Je pense que le migratoire c'est extrêmement intéressant, c'est souvent ce qui change en effet les sociétés du monde, son histoire et une puissance aussi. Et, sans doute par ma propre vie, je peux me sentir plus proche, je travaille sur ça différemment et je suis très heureux ou artistiquement si j'arrive à propulser dans la littérature, sur la scène littéraire, ce type de personnage, ça m'intéresse certainement. Il y a quelque chose, il y a une sorte de force chez ces gens souvent. Et comme je le disais tout à l'heure, si vous regardez Homer, Ulysses par exemple, bon, Ulysse, c'est ça l'excellence. Il y a l'horizon, il y a l'horizon. Ce qu'ils font, c'est avec beaucoup de force encore aujourd'hui. Pour moi, c'est un miracle très fort. Je ne sais pas, il y a ces bateaux qui après, c'est le naufrage et tout ça, c'est vraiment terrible, tragique. Sobre os interesses do Rio e do outro.